متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كومونتير برنامج شبابي اللي كيهتم بلي سوجي كي انتريس لي جون هاد لا سيمين هادي هاد لو سوجي هذا كيخص سورتو لي فام لي جون فام اللي عنده علاقه بلي ريغل ولا اللي يقدروا نقولوا عليها الدوره الشهريه دم الحيض ايضا اللي شفنا مؤخرا بلي دارت واحد لاكسيون باش ما نبقاوش منين نهضروا على لي ريغل نقولوا حشاك ولا نحسوا بلي احنا كنساء فينا شي حاجه مغايره على باقي الناس الاخرين ولهذا اليوم هذا معايا البنات اللي داروا هاد لاكسيون هادي اللي سميتها حشاك معايا ساره ومعايا ياسمين بجوجهم اللي واقفين على هاد لاكسيون واللي داروها وداروا فيها بزاف ديال الانشطه مرحبا بك ساره مرحبا بك ياسمين ميرسي بوكو مرحبا ميرسي بوكو Donc je vais vous laisser le temps de vous présenter je vais démarrer par Sarah et puis Yasmin donc Sarah Ben, en fait, je m'appelle Sarah Ben Moussa et je suis la cofondatrice de Hashak. Hashak est un mouvement pour le trafic menstruel qu'on a réalisé ensemble et je suis dans la communication. Super. Yasmine? Ben, en fait, Anna, j'ai toujours voulu me battre pour les causes et je me suis battue avant Hashak pour la cause des handicapés. Pour défendre un peu leurs droits. Aussi dans la communication, j'ai toujours préféré faire la communication pour des choses qui vont servir pour le monde que faire la communication pour des marques blafaïda. Pour moi, D'accord, c'est important d'essayer d'éveiller un peu les consciences par rapport au Maroc. Donc, je suis avec Sarah. Sarah a toujours été engagée pour le droit des femmes khassassiennes. Donc, du coup, on a fait le mouvement Hashak pour défendre la précarité menstruelle. Et la précarité menstruelle, le mouchkil dialo, c'est que les gens n'ont pas fait la précarité menstruelle. Oui, c'est ce que je vais vous dire après Sarah. Donc, je vais vous dire le point de c'est quoi Hashak et laisse exactement Hashak. Mais les gens ne savent pas. Donc, je suis content de vous dire le point. Je vais Sarah. Okay. Alors, c'est quoi Hashak? Hashak, clairement, c'est un mouvement qui défend la précarité menstruelle. Si on a appelé Hashak, Hashak, c'est parce que l'Yom Fil Maghreb, nous qui connaissons les règles, qu'on dit qu'il y a un jour Hashak. Donc, on s'excuse, entre parenthèses, d'avoir ces règles ou d'être, on va dire, indisposé, voilà, menstruel. Ouais. Et donc, on veut au contraire démocratiser et rendre le mot Hashak assez ridicule. En gros, maintenant, on ne peut plus dire Hashak. Non, Hashak, on ne doit pas s'excuser d'avoir nos règles, clairement. Donc, on voulait vraiment faire une action pour pouvoir briser les tabous, pour pouvoir éveiller les consciences, pour pouvoir éduquer les femmes, les accompagner et leur donner une perspective beaucoup plus ouverte sur les menstruations et sur tout leur appareil génital à elles, vu qu'on n'est pas prédisposé dans notre pays à pouvoir clairement en parler sans tabou. D'accord, merci Sarah. Yasmine, علاش زعما vous avez décidé de lancer cette action ou واحد la période li ma عرفتش واش on a le droit de creuser fait les sujets tabous ou non. واش ما خفتيش زعما ما خفتوش من ان الناس زعما n'accepte pas زعما que vous parliez de ce genre de sujet, quoi exactement? Exactement. Dès que nous avons fait le mouvement, nous savons comme quoi le sujet va être critique. Parce que c'est impossible de faire un sujet pareil pour nous avoir les règles dans le Maghreb ou nous connaître les mauvaises critiques. Mais, on a tout préparé en avant et comme on a fait une stratégie pour que justement on a décidé de viser les personnes qui sont déjà là-dedans. C'était ce qui est une sociologue où les aslan les règles. Donc ça veut dire qu'on avait vraiment vraiment beaucoup de soutien par rapport à ça. Tlaqina MNS l'éclairé Zoubina pour montrer que le sujet il existe vraiment et que le sujet khasna ntkelmo leh. Donc c'est pour ça que on a décidé de le lancer pour briser le tabou floul via une conférence de presse et ensuite on a récolté les mauvaises critiques. Et il y a eu 50% des personnes qui ont dit qu'ils étaient en train de se faire et qu'ils étaient en train de se faire à l'hygiène de leur vie, à l'intimité, etc. Donc,
ça aussi, c'était le point pour la deuxième campagne qu'on a décidé de traiter. Et c'est pour ça qu'on est revenu le 28 mai. C'est pour justement répondre à la problématique. Parce que nous avons dit que nous le message de le mouvement. D'accord. Plus tard, tu vas me parler plus sur les deux actions leader tout. Mais avant, je vais vous dire, Sarah, les femmes, quand vous avez dit que 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 انكم تهضروا معاهم هذا السوجي هذا كيفاش كانوا لا رياكسيون دي فام دي جون فام on a eu des réactions vraiment complètement partagées on a eu des femmes elles-mêmes qui ont trouvé ça honteux qu'on puisse parler des menstruations elles-mêmes elles étaient braquées et elles ne voulaient pas on peut se comprendre parce que chacun comment il arrive à percevoir la chose mais on a eu d'autres qui au contraire a vu ce mouvement comme sans vouloir vraiment extrapoler la chose, mais qui a vu ça, ce moment comme une écoute, une oreille attentive. Donc, ouais. Poser des questions, il y a eu des commentaires, il y a eu des messages de soutien, il y a eu des personnes qui, au contraire, nous expliquaient en fait des moments de leur vie où elles ont vécu la menstruation d'une manière assez indélicate et qui voulaient avoir notre point de vue, avoir le point de vue d'un médecin. Donc, on essayait de les mettre en relation avec des médecins qui avaient des comptes Instagram officiels avec qui ils pouvaient parler. Donc, clairement, ils venaient poser des questions. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris vraiment des acteurs clés, comme on va vous parler de la deuxième action. On a pris des acteurs clés qui étaient spécialisés dans leur domaine d'activité concernant la menstruation et la précarité menstruelle, que ce soit au niveau sociétal, économique, associatif ou autre, ou même médical, pour clairement les accompagner et pouvoir... Plus les accompagner d'une manière éducative pour qu'elles puissent répondre à leurs propres questions et qu'elles puissent poser des questions aux personnes durant ces conférences. C'est clair, Sarah. Yasmine, je n'ai pas dit que vous avez beaucoup de choses ou que vous avez beaucoup de choses pour vous lancer ou que vous avez dit on doit lancer ça. Je n'ai pas dit que vous avez beaucoup de choses pour vous les femmes dans la période de la règle de vous. En fait, la problématique les quand maintenant, c'est que on a compris on a eu l'analyse de l'étude que galolik 50% il y a que seul 30% des femmes qui ont accès aux serviettes hygiéniques au Maroc. Et exactement. Et hadi ça a été lancé par une entreprise peut-être oui, il y a tatlina had le chiffre hada, mais had le chiffre il m'a beaucoup alarmé. Et je vois que les règles, ça reste quelque chose de tabou partout dans le monde. Dans le monde entier, on a de la problématique. Les femmes, déjà de base, comme beaucoup de sociologues le disent, etc., c'est la souffrance des femmes et l'émotion des femmes. Le fait qu'elle a les règles, que la femme, par exemple, ses règles, elle-même à l'aise avec son corps. De bonne humeur, etc. Donc, imaginons que les femmes, non seulement elles ne sont pas de bonne humeur, et non seulement elles n'ont pas accès à pouvoir avoir l'hygiène menstruelle. Et non seulement les femmes, les filles, elles ont des traditions. On nous dit, oui, d'abord, les règles, les infrastructures qui poussent les femmes à devenir qui fassent bras ou ma écono. Donc je me suis dit que la source des problèmes, c'est justement l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et la première inégalité vient effectivement des règles. D'accord, c'est clair. Donc, après, nous avons comme l'action loulée, les dertos. L'action loulée, c'est Halia Sarah, ou l'action tenue, c'est Halia Nti Yasmine. Donc, Sarah, après, nous avons la première action, les dertos, qui fait ce qu'on a fait le Jannas? En fait, clairement, on a fait une conférence de presse à l'Artorium avec plusieurs partenaires et sponsors qui étaient avec nous, qui nous ont soutenus, épaulés, et bien sûr plusieurs femmes activistes d'aujourd'hui marocaines et internationales qui nous ont aiguillées et plus motivées à lancer ce qu'on voulait lancer. Et c'était vraiment une conférence de presse pour pouvoir briser le tabou des règles et de dire que maintenant il y a un problème, faut pouvoir le réaliser, et que le problème c'est que 30% des femmes marocaines ont accès aux protections hygiéniques et que malgré
les 30% des femmes qui ont accès aux serviettes hygiéniques, pas beaucoup d'entre elles connaissent tous les moyens de protection, pas beaucoup d'entre elles ne connaissent pas toutes les cultures autour de ça, pas beaucoup d'entre elles ne savent pas comment ça se passe, que ce soit à travers des mythes ou à travers des faits réels. Elles sont complètement perdues et qu'il fallait au contraire les accompagner. Et voilà, c'était vraiment une action pour leur dire que maintenant nous sommes là et que nous espérons pouvoir vous accompagner et s'accompagner nous aussi, parce que nous aussi, on est peut-être dans ce mouvement, mais on en apprend tous les jours. Donc clairement, on voulait s'accompagner entre nous parce que voilà, on est un pays qui a besoin d'évoluer à sa manière. Et aujourd'hui, la femme n'est plus considérée comme une femme qui reste à la maison ou autre. C'est oui, bien sûr. Et comme on dit, c'est une femme qui maintenant peut gérer plus que la maison. Aujourd'hui, voilà, on voit exactement la femme en tant que personne. فاش درتو لا بروميير اكسيون كيفاش كانوا ردود فعل ديال الناس واش سي تي با زعما شي حاجه بيزار اللي اول مره غادي يشوفوها كيفاش لي كومونتير اللي جاوكم الحوايج كي فوزو ماركي في لا بروميير اكسيون ما عرفتش واش ساره ولا ياسمين اللي تقدر تهضر لي على هذا الشيء واش بوليس ياسمين لا با بروبليم وي ياسمين ان فيت باش كي سي باسي سي كو في لا بروميير اكسيون حنايا كنا ديجا اون افي ديجا اون سافي كو les gens ils allaient réagir d'une certaine manière kna zama bhal li qelti on l'avait prédit hat arfouna que c'est un sujet qui est sensible mais au début kan khassna lancer il fallait lancer la conversation et il fallait laisser les gens libres à eux de itqablou ou non had le sujet donc bhal li qelna had la première action c'était ink mizan tu vois dans le sens où on va lancer justement la campagne on va justement briser le tabou des règles parce que c'est la première chose à faire et laisser les gens essayer de voir comment ils ont réagi. Donc les avis étaient partagés. On a eu 50% de gens légalo oui, elles ont osé, c'est important de parler de ça parce que et c'est qui aide les gens. C'est les gens les justement c'est la plupart c'est des femmes, il y a eu aussi des hommes. Il y a eu des gens, des étudiants, ils nous ont beaucoup soutenus. Il y a eu beaucoup de sociologues, beaucoup de Hadoukulhoum, ils étaient d'accord avec nous. Par contre, il y avait une autre moitié qui n'était pas du tout en accord. Et Had la partie Hadi, on savait très bien qu'ils n'allaient pas être en accord avec nous. Had Hinef, un pays musulman, un pays maghrébi, où il y a les règles. Et pour eux, c'est ce qui est les méthodes d'Arche. C'est حشومة وعيب بدون نهضروا على هذا الشيء جوج بنات عندهم مدار بغاو يديروا الباز بغاو فهمتي دونك سي نورمال كو لي جون ما تقبلوهاش مي جوستمون حنايا اون ابري سا كوم فورس اي سي لا واش بي بارلي دو لا دوزيام اكسيون وي اكزاكتومون وي سي لا واش بي فريمون بارلي دو لا دوزيام اكسيون اون ابري سا كوم فورس بور ايسيي جوستمون دو سواني هاد لي بيرسون دابا اون لي زون جوستمون ريبرتوري اون سي تري بيان هاد لي بيرسون هادو كيفاش ايزون رياجي دونك لوبجيكتيف سي نهضروا معاهم باللونغاج ديالهم باش نفسروا لهم لو ميساج ديالنا باش يدوز مزيان حيت لي ميساج ما داش الاول مزيان عند كلشي داز غير شوفو دونك اون سي دي داكور دونك جيمري بيان سافوار شنو درتو شنو تبدلو في لا دوزيام اكسيون لا دوزيام اكسيون سيتي لو 28 مي لو 28 مي سي لا جورني مونديال دو ليجين مونسترويال في العالم دونك سا بي دير كو العالم كامل défend la précarité menstruelle, défend de la cause ou de la problématique qui est dans l'ALM. Donc du coup, pour montrer que cette problématique qui est dans l'ALM Kamil et que la problématique des règles, elle existe un peu partout dans le monde, on a décidé de faire une vidéo avec tous les gens qui sont, avec la plupart des personnes qui sont un peu dans plusieurs pays différents, plusieurs qui défendent la même cause que vous et qui défendent la même cause que nous, autour d'une même et unique vidéo. Pendant le confinement, on a profité de la période du confinement, parce qu'on a tout le monde, donc c'était beaucoup plus simple pour nous de contacter les militants, etc. Notre deuxième phase, c'était quoi? L'objectif numéro 2 de la deuxième phase, la deuxième action, c'était éduquer. La première, c'était lancer la conversation qui fait Sharhat Sara, et la deuxième, c'était l'éducation. C'est là où on a décidé de faire des conférences sur Zoom, et on a décidé d'organiser un événement complètement digital. D'accord. Chnou kat vouri f had le genre de conférence les neuf. Les conférences c'était cinq thématiques. C'était exactement cinq thématiques et la première thématique ça parlait des émotions des règles. Pourquoi les femmes elles réagissent
avec pourquoi la femme elle a des ses émotions ne sont pas comment expliquer ça, pardon, les émotions ne sont pas forcément anodines, que s'il y a une émotion durant cette période c'est clairement toute une histoire énergétique autour qui explique les choses. En fait, il y avait plusieurs thématiques, soit énergie, et que ce soit vraiment par rapport aux émotions, aux croyances à travers toutes les religions et toutes les cultures. Il y avait aussi par rapport à tout ce qui était médical et en termes de data. Il y a eu aussi le côté protection hygiénique, la coupe menstruelle dans toute sa splendeur qui est et comment on l'a, mais où est-ce qu'on pourrait s'en procurer, tous les moyens pour se protéger, et la dernière, en fait, au niveau associatif, pour vraiment, c'était clairement pour avoir une vision totalement globale des menstruations, et en plus avec des acteurs qui venaient du monde entier. On avait la France, la Belgique, le Maroc et la Tunisie. Donc vraiment, c'était de parier un peu tout ça. C'est super intéressant. Alors, je vais vous laisser le temps de faire passer un message aux femmes marocaines ou aux Marocains en général par rapport à ce sujet. Chine Huez, les Britou Tbdlouf Nes par rapport à ce sujet. Je vais vous dire que vous avez dit 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 Ok, غنهضر البنات والولاد سي هاد الدم ماشي سي با لو سان دو لا هونت سي حياه تا مير ا يو تي ريغل تا سور اورا تي ريغل تا في اورا تي ريغل تو لو موند ا سي منستروياسيون و شي حاجه سي كيك شوز دو طبيعي دو تا في نورمال وما تحشموش دو فولوار ايدي لي بيرسون سي ايل سون en précarité menstruelle, si elles sont tachées, les personnes en âge, que ce soit à l'école, au lycée, dans les études supérieures, au travail, que c'est quelque chose de normal et au contraire qu'il ne faut pas pointer du doigt, mais accompagner la personne pour qu'elle se sente le plus à l'aise dans son corps, parce que si on n'est pas à l'aise dans son corps, on n'est pas du tout dans son esprit non plus. Oui, c'est vrai, Sarah. Donc, Yasmine, c'est le message. انا لو ميساج سي الحقوق ديال الناس الحقوق ديال لي فام وديال لي زوم كل واحد عنده الحق ديالو كلنا عندنا الحق نكونوا اليز افيك نوتغ كور ونكونوا ونوليو شكون اللي بغينا نكونوا دونك لي فور اي فيان دو نو خاصنا حنا ناخذوا لو بوفوار ديالنا اي بوفوار فير لو بيان اوتور دو نو كو سا سوا pour les règles ou que ça soit pour n'importe quel sujet, mais le plus important, c'est d'avoir le pouvoir de nous connaître, le haq, pour que nous connaissions ce qu'on nous connaît. Joli message. Je vous remercie beaucoup. Shukran Yasmine, shukran Sarah. Merci d'avoir accepté de passer l'émission commentaire. Par contre, oui, dis-moi. J'aimerais bien rajouter la chose que je dis que Anna, comme j'ai expliqué au début, je défends le haq des gens. Que ça soit par rapport aux handicapés, aux règles, à tout ce qui va avec. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Sarah sur le mouvement Hashtag et c'était ma dernière campagne pour ça et que Sarah, Inch'Allah, elle va prendre le relais, de Hashtag pour essayer de mener son combat parce que Mokhadekchi Mazinin Kanyan Bizav, j'ai les combats au Maghreb à mener. C'est sûr. Merci beaucoup. شكرا بزاف حيت كتشجعوا بعضياتكم وحيت كتدافعوا على شحال هاد لي كوز هادي اللي كيقيسوا بزاف ديال الناس. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi et du temps que tu consacres et ton engagement. Pas de souci. Donc, متابعينا هكا نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا لهاد اليوم. موعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده. Bye bye.